Je pense qu'on fait appel au dessin pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que le réalisateur a simplement envie ou besoin de ce support-là, parce que ça lui parle, parce que ça le fait rêver ou parce que pour lui ça signifie quelque chose. Ce qui était complexe, c'était de se dire, d'avoir à travailler sur des parties d'images, donc sur une feuille à part. Chaque partie du décor a été fait séparément sur des feuilles à part. Au sein de ces séquences, il y a des détails très, très précis, notamment la dernière où on voit un groupe qui est en forme de pyramide. Et ça, c'est vraiment des témoignages très précis de gens qui étaient là ce jour-là et qui racontent comment, effectivement, les SS encadraient les groupes pour les amener aux pendaisons. Sous cette forme-là, c'était la première fois que j'intégrais effectivement des dessins. C'était la première fois que j'avais la chance de travailler avec un dessinateur qui est là au service du film, quoi, qui rentre dans le film, qui rentre dans l'imaginaire du film et qui représente nos personnages, quoi.